La salle Wilfrid Pelletier est une œuvre majeure du patrimoine moderne de Montréal. Depuis son inauguration en 1963, la salle Wilfrid Pelletier est l'une des plus prestigieuses salles de spectacle au Canada. Mais dans les dernières décennies, elle a subi des transformations majeures, altérant le concept architectural et décoratif initial. La rénovation 2016 propose donc un retour à l'œuvre originale. La rénovation a touché la salle principale, les foyers et la circulation. L'approche pour la salle et les foyers se veut patrimoniale et réaffirme les intentions d'origine. L'intervention majeure a été la restitution du rouge emblématique de la salle et de ses foyers, qui avait été remplacé par le bleu dans les années 80. Les œuvres des grands artistes québécois, dont les anges radieux de Louis Archambault, ont été mises en valeur. Les interventions dans les zones de circulation étaient les plus importantes. Celles-ci célèbrent l'histoire de la salle Wilfrid Pelletier au travers des portraits de personnages marquants, des photos des grands spectacles et des dessins d'exécution d'origine. La rénovation de la salle, des foyers et des circulations se situe entre une intervention contemporaine majeure et des réparations imperceptibles. L'intervention 2016 rend hommage à une icône de l'architecture moderne de Montréal en la plaçant au 21e siècle.